quoi pour nous. Ce n'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Mais je pense que, par ma petite expérience de la vie en général, et par aussi certaines expériences des sports de combat que j'ai pratiqué et que j'ai eu à enseigner, et que j'enseigne encore, comme la lutte par exemple, je pense que je suis à mesure de pouvoir détecter les talents. Et la politique, c'est autre chose. Si je suis coach en matière de sport, et si j'ai eu encadré aussi à un certain niveau des jeunes dans le cadre de l'art plastique, et je n'ai pas la prétention de dire que je peux être un coach pour un homme politique. Parce que bon, il y a la politique, mais j'ai ma façon de faire la politique. Tantôt je disais que je n'utilise pas l'art pour reproduire les choses que je vois autour de moi. Mais c'est plutôt pour exprimer mes sensations les plus profondes et recréer ce que je vois. Recréer ce que je vois. C'est ça le plus important. Alors là, c'est ma façon de faire la politique. Mais pas la politique qu'on pense la plupart des gens de notre époque. Celle qui met l'homme au-dessus de toutes les facettes. C'est difficile de répondre à cette question. Et de dire oui, j'aime la politique ou je n'aime pas la politique. Parce que quand on vit, on fait la politique. Parce que vivre déjà, il faut avoir la politique de sa vie et la vie de sa politique. Je pense que c'est très important. Il faut créer un équilibre entre les deux pour pouvoir s'assumer entre les rires et les pleurs. Alors, mais quand on dit politique, on pense tout de suite à la politique qui amène une personne à se présenter aux élections pour être un élu communal ou le président d'un pays. Alors dire que, me poser la question si j'aime la politique, je répondrai par un oui positif. Oui, j'aime la politique. Et je le dis à haute et intelligible voix, j'aime la politique. Mais pas celle qui se passe actuellement en Afrique. Non, pas cette politique. Non, ce n'est pas que tout n'est pas bon. C'est que globalement, ce n'est pas bon. Globalement, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de choses à changer dans la façon de faire la politique des Africains. Parce qu'il y a la corruption, surtout la corruption. Parce que le problème de la gouvernance en Afrique, c'est surtout la corruption. Et la corruption est devenue la sève nourricière de la politique en Afrique. Et les hommes politiques l'ont tellement bien compris qu'ils en ont fait une arme redoutable, pointée sur le peuple, à tout moment, soit pour l'intimider ou pour l'écraser au besoin. Et ça, je trouve que c'est malheureux. Parce que ce n'est pas l'essence de la politique, ce n'est pas l'objectif de la politique en son origine.
La politique est là pour la bonne gestion de la cité et pour le bien-être des gens. Alors si cette politique contribue à détruire les gens, je ne pense pas que ce soit la même chose. Alors je dis, oui, j'aime la politique, mais non à celle de l'Afrique, à l'état actuel des choses. Bon, ça a fonctionné en dents de scie dans certains pays, des hauts et des bas. Ça a été constant dans certains pays, c'est-à-dire que c'est meilleur, ça ne change pas. Et dans certains pays, on a voulu prendre de l'élan pour être plus positif, mais on ne sait pas, il paraît-il qu'il y a une main invisible derrière. Bon, je pense par exemple à un pays comme le Mali Bénin qui a vraiment voulu démarrer par la volonté de certains hommes politiques, mais qui est resté plus ou moins stationnaire parce que il paraît que les choses nous sont dictées d'ailleurs. Et ouais, c'est ce qu'on nous dit. Et alors par rapport à ça, les hommes politiques trouvent, je ne sais pas si c'est un alibi, en tout cas une justification en disant nous avons la volonté de faire avancer les choses, mais ce que vous ne savez pas, nous n'avons pas le choix. Parce que il y a force supérieure ailleurs qui nous dicte les idées et qui nous recommande de faire les choses comme il veut. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, parce que je n'ai jamais été aux commandes pour le savoir. Mais ce que je sais, je ne défends pas du tout les hommes politiques à la fois. Je ne les défends pas. Mais ce que je dis, c'est que quelque part, il y a une part de responsabilité des Occidentaux dans l'échec de la politique en Afrique, dans les pays d'Afrique. Parce que les crédits et les aides qu'on nous fait sont souvent, les retournent souvent par des systèmes savamment calculés. Tu vois? Un régime africain est bon et bien apprécié tant qu'il parle le langage des Occidentaux. Mais une fois qu'ils rompent avec ce système qui s'imprime dans la logique de son peuple, parle le langage de son peuple, vit et travaille pour son peuple, ce régime est aussitôt balayé. Et ça, c'est dommage. Comment comprenez-vous que des pays pauvres en Afrique soient aidés par les Occidentaux et qu'on trouve le moyen d'héberger, si je peux m'exprimer ainsi, des centaines de milliards détournés par ces mêmes hommes et déposés dans les banques occidentales sous silence, disant que secret bancaire oblige. Je ne trouve pas une explication à ça. Et c'est eux qui nous aident. Et ils savent bien que ce sont des pays pauvres. Justement, on entretient la politique de la main tendue, l'Afrique dans la mer, l'Europe donne, et les Occidentaux, je dirais. Et justement, c'est pour ça, quelque part, je disais juste avec des jeunes, j'ai dit, il faut repenser la politique en Afrique. Il faut faire la politique autrement en Afrique. C'est-à-dire, ce n'est plus au peuple, aux gens d'attendre des dirigeants africains
de changer les choses. Parce que même si à la base, a priori, ils ont la volonté de bien faire les choses, mais en faisant le combat politique pour arriver au sommet, ils s'émoussent. Ils s'émoussent et ils se formatent. Donc arrivés au sommet, ça trouve qu'ils sont déjà formatés. Ils sont dans un cadre qu'ils ne peuvent plus quitter. Ils ont les pieds et les mains liés. C'est parce qu'ils ont fait, ils doivent faire trop de compromis. Donc ce n'est pas ces gens qui peuvent faire changer les choses. Donc au lieu que le changement parte des élites anti-guillemets, moi je pense que le changement doit partir de la base. Que les gens conscients de l'état des choses, de tous les problèmes qui bloquent l'évolution de la société, le développement de la société, que ces gens se donnent la main et qu'ils créent des mouvements positifs pour sensibiliser le reste de la population et essayer de gagner le terrain pour faire changer les choses. Parce que les Occidentaux peuvent faire la pression sur les dirigeants, évidemment, parce qu'ils contrôlent les dirigeants. Mais les Occidentaux, je ne pense pas que les Occidentaux puissent faire la pression sur toutes les populations d'Afrique. Je ne pense pas. Donc, il y a aussi un problème d'organisation à la base. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos des dirigeants. Hein? Il faut qu'à la base aussi, et on se pose des questions. On se dise, qu'est-ce qui se passe et quelle est notre part de responsabilité dans ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut qu'on se pose un certain nombre de questions et qu'on trouve aussi des solutions. Donc il ne s'agit pas seulement de s'asseoir et de critiquer, mais il faut agir. Il faut agir. Et c'est, bon, c'est ce que je demande aujourd'hui. Et c'est la démarche en fait que je vois. C'est la seule pour le moment que je vois et qui peut vraiment sauver l'Afrique. Sinon, personnellement, je ne compte pas du tout sur les dirigeants en Afrique. Parce que même s'ils ont la volonté de bien faire, ils ne pourront absolument rien faire. Ils ne pourront pas. Parce que les choses leur sont dictées et ils sont obligés de faire exactement comme on les a dit. Et je prends par exemple le cas de la corruption. La corruption, par exemple. Et j'ai l'impression que la corruption arrange tout le monde. La corruption arrange tout le monde, les corrupteurs, les corrompus et nous les autres. Et ceux qui sont chargés de lutter contre la corruption, de soigner la plaie de la corruption, eux, ils se disent non, il ne faut pas que cette plaie guérisse avant qu'on tire notre épingle du jeu. Donc c'est une plaie très difficile à guérir, la plaie de la corruption. Et ça arrange la population comment? Ces corrompus-là, ils ne sont pas venus par la pluie, ils sont de la société, ils ont des familles. Et l'argent de la corruption, ça va où? Ça arrange beaucoup de gens dans la société. Mais ce n'est pas un arrangement, c'est un dérangement. Parce qu'au lieu d'aller voler pour venir me donner, ce n'est pas la peine de voler. Il faut utiliser cet argent pour que je trouve un emploi et que je puisse me prendre en charge. Pour moi, c'est ça l'arrangement. Mais c'est extrêmement difficile parce que non seulement au niveau de la population, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Les gens ne sont pas informés de la même manière. Les gens n'ont pas. Il y a des gens qui sont carrément désinformés, il y a des gens qui sont mal informés, il y a des gens qui sont informés mais qui ne sont pas de bonne foi. Et il y en a du tout. Donc ça fait que c'est extrêmement difficile d'amener la population parler de même langage. Voilà là où le bas blesse. Voilà le livre de la chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, il faut passer
par des jeunes, pas forcément des jeunes, par des gens compétents, dynamiques, capables de sécréter la bonne pensée, qui sont prêts à l'action, qui doivent se donner la main pour amener les autres à les suivre et mettre la pression sur les dirigeants pour que les choses changent. Parce que nous avons essayé beaucoup de formules. Il y a beaucoup de formules qui ont été essayées en Afrique. Mais c'est quoi? C'est des schémas, c'est des schémas préconçus. Et c'est des schémas dont le résultat est déjà connu, avant même l'application. Donc ce ne sont pas ces choses-là qui arrangent l'Afrique. Mais puisque quelque part, ça arrange des gens, je ne sais où, donc il faut le faire. Les maux de tête, c'est les maux de tête. Mais les maux de tête chez un enfant de riche, c'est différent des maux de tête chez un enfant de pauvre. Parce qu'au moins le riche est capable d'amener son enfant à l'hôpital, de payer l'ordonnance. Que la maladie guérisse ou pas, il y a quand même une action qu'on peut porter. Mais chez le pauvre, il n'a même pas le courage d'amener son enfant à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien. Donc, tous les gouvernements du monde ont à peu près la même coloration, sont à peu près les mêmes. Mais on ne peut pas parler des hommes politiques en France et les hommes politiques en Guinée. C'est pas pareil. Un ministre des Finances en France et un ministre des Finances, c'est pas moi, à Dakar, c'est différent, ou à Bamako. Ce qui est différent d'abord, c'est le pays, l'environnement, le niveau de développement, la mentalité des gens, le niveau de l'éducation, la façon de faire la politique, l'accès aux soins, l'accès à l'eau, voilà. L'accès à l'enseignement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et c'est de ça. Et je pense que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des gens de bonne volonté qui veulent bien que les choses changent. En fait, comme je l'ai dit au début, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Il y a des hommes politiques qui sont franchement de bonne foi, qui ont la bonne volonté, qui ont aussi le temps de pouvoir changer les choses. Mais malheureusement, comme je l'ai toujours dit, avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, ça trouve qu'ils sont déjà complètement démunis de leur force. Vous venez de toucher à une des plaies de la politique en Afrique. C'est-à-dire ici, par exemple, si vous prenez la façon de faire la campagne. Alors, ici, faire la campagne, c'est acheter les électeurs. Moi, je veux faire la politique, je vais être, par exemple, un élu communal, je vais être le maire de la commune et tout. Alors, je me lance dans la politique. Alors, la politique, pour moi, devient un commerce. Parce que je veux gagner de l'argent. Alors, mon commerce, c'est la politique. Et mon fonds de commerce, c'est la politique. Les deux se rejoignent dans la politique. Je cherche de l'argent, même s'il faut m'endetter. Je fais ma campagne. Je fais des casquettes, des t-shirts. Et je m'endette. J'achète du miel, du sucre, du riz. Et à la veille des élections, je démarche les gens. Des gens qui ne m'ont jamais vu. Des gens qui ne m'ont jamais connu, qui ne m'ont vu dans aucune action et
fait positive pour la société ou... Alors, je vais leur demander de voter pour moi. Je leur donne du sucre, du mie, des casquettes, des t-shirts. Et ils ne me demandent pas pourquoi je veux être un élu communal. Ils ne me posent pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucre, il y a du riz, il y a du thé. Ils ne me demandent pas un programme de travail. Quelle est ma vision de la société? Et si je suis élu, qu'est-ce que je suis prêt de faire pour la société? Ils ne me posent pas de questions. Ils ne me demandent posent pas de questions sur mon programme de travail. Je peux aller les mains vides, sans programme, sans rien du tout, qu'avec du thé et du sucre, avec des casquettes et des t-shirts, et je les vois. Et c'est comme ça qu'on fait la campagne. Et bien sûr que oui, il ne faut pas être dans la critique stérile. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas être dans la critique stérile. Et comme comme disait l'autre, la critique est aisée, l'art est difficile. C'est facile de critiquer ceux qui sont en train de faire la politique. Dire ils sont malhonnêtes, ils sont voleurs, ils sont ci, ils sont ça. Mais il faut être sur le terrain pour connaître toute la vérité. Savoir toute la réalité aussi. Et ça, c'est important. Mais, en étant extérieur à la politique, c'est-à-dire la scène politique, la politique comme on la connaît, comme on la pratique, mon jugement, c'est quoi? Je ne juge même pas, c'est les constats. Et par rapport à ces constats, j'ai des propositions à faire. Et ces propositions, justement, je parlais de ces propositions, je parle de l'organisation. À la base, je prends un État comme étant une pyramide. La base, c'est le peuple. Le sommet, c'est le président et ses ministres et tout. Et l'intermédiaire, c'est l'administration. Et alors, je dis, mais l'administration, les hommes d'affaires, si tu veux, et d'autres personnes, les ressources. Alors, je dis par rapport à ça, puisque ceux qui sont au sommet ne sont pas toujours de mauvaise foi. Hein? Parce que chaque fois qu'ils veulent faire changer les choses, ils ont des pressions de l'extérieur. Donc, pourquoi le peuple, en comprenant ça, ne s'organise pas pour faire changer les choses à partir de la base? Que les Occidentaux puissent faire une pression, mettre de la pression sur le peuple, le peuple d'Afrique. Hein? Je vois très mal un Sarkozy dire « peuple malien, arrêtez !» Ça paraît impensable. Pas ça quand même. Mais c'est facile d'appeler un président de la République au téléphone et lui dire, alors fais attention à ce qui se passe dans ton pays, machin, machin. Que c'est le président de la République? Parce que c'est une personne. Mais le peuple, c'est toute autre chose. Donc par exemple, ça c'est une proposition. Une autre proposition. Aujourd'hui, si un chef d'État, dans un pays comme le Mali par exemple, où on a l'office du Niger, si un chef d'État veut, par exemple, prendre les militaires et aller développer l'agriculture là-bas, on va dire que c'est un régime qui tend vers le communisme, des choses comme ça. On risque de mater le régime malien. Mais si c'est le peuple qui s'organise et qui se décide d'aller là-bas pour l'exploitation de l'office du Niger, je vois très mal le gouvernement français réagir par rapport à ça. Alors, pourquoi
nous n'avons pas la bonne volonté de faire ces choses-là. Et je suis d'ailleurs content parce que c'est le président de la Fédération malienne de lutte sportive qui vient, qui est mon frère, c'est mon jeune frère, et qui est le président de la Fédération malienne de lutte sportive, qui vient d'arriver tout de suite. Voilà quelqu'un qui a eu la bonne volonté, par exemple. Il n'a pas attendu qu'un ministre des Sports l'appelle pour parler de la lutte. La lutte est morte au Mali, ça fait plus de 20 ans. Hein? Il quittait ici pour aller regarder la lutte, par exemple, à Dakar. Il prenait son billet d'avion pour aller regarder la lutte au Sénégal. Et maintenant, il s'est dit, bon voilà, j'ai un frère qui aime les sports de combat. Je l'ajoute à moi, on se donne la main, et puis on va essayer de faire quelque chose. Et grâce à lui, il est là. La lutte renaît au Mali. Il n'a pas attendu la volonté politique. Et s'il avait croisé les bras, dire, bon, moi j'aime la lutte, mais si tu veux faire la lutte, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Non. Il a pris, il est parti au devant. Et ça, nous sommes en train de réussir ensemble quelque chose. Et nous demandons maintenant à tous les Maliens du Mali et de l'extérieur de nous appuyer avec ce qu'ils ont pour pouvoir construire cette lutte. Et pour que cette lutte soit quelque chose, si tu veux, une activité qui puisse diminuer le chômage, par exemple. Parce que les jeunes, au lieu de penser à aller en Espagne, en France, machin, pour aller gagner de l'argent, si dans un sport de combat comme la lutte, avec de bons sponsors, s'ils peuvent gagner de l'argent pour financer des micro-projets ici, mais pourquoi aller à l'extérieur? Par exemple, ça c'est une bonne politique. Ça c'est important. Donc ça va réduire le chômage. Vous savez, ce n'est pas facile d'être chef. Surtout dans un pays pauvre, c'est extrêmement difficile. Je préfère être leader dans un pays pauvre que d'être chef. Parce que quand on est chef, les gens ont l'impression que, les gens te donnent l'impression que eux, ils doivent s'asseoir, croiser les bras et que le chef doit tout distribuer. Tout doit venir du chef. Les bonnes idées et les bonnes actions. Alors les autres sont là, ils les regardent. Mais non. Non. Maintenant, je préfère être leader, c'est-à-dire sécréter des pensées positives pour le peuple et amener le peuple à agir, mettre le peuple en action par rapport à la valorisation, par rapport à la, si vous voulez, à la pratique de ces bonnes idées. Je prends un exemple, par exemple. Aujourd'hui, au Mali, il y a des écoles privées un peu partout. Mais toutes ces écoles privées ne sont pas bonnes. Il y a plein d'écoles privées où ça ne va pas du tout. Parce que les enseignants n'ont pas de bon niveau. Donc un enseignant, quand les éducateurs, les encadreurs n'ont pas de bon niveau, ceux qui sont encadrés ne pourront pas avoir un bon niveau. Donc, il appartient par exemple à un leader, de voir avec un certain nombre de personnes, de gens bien sûr chargés de l'encadrement de l'éducation, de voir avec la pensée qu'il a par rapport au bon fonctionnement de l'éducation dans son pays, de voir ces gens discuter, échanger avec eux, mettre un programme de travail et voir comment d'abord avoir dans le pays que des écoles, de bonnes écoles, que de bonnes écoles pour encadrer les enfants et les jeunes. Et pour cela, il faut de bons encadreurs. Pour cela, il faut des enseignants
avec de bons niveaux. Donc, mettre une politique en place pour la formation des formateurs, ceux qui sont chargés, ceux qui seront chargés de former les enfants et les jeunes. Je pense par exemple que ça, c'est très important. Et c'est possible de le faire avec les gens. Puisque les gens, ils ont eu l'initiative, la bonne idée de faire des écoles. Donc, que cette bonne idée continue et avec l'aide d'un gouvernement ou l'aide des personnes de ressources, des personnes de bonne volonté, maintenant, aller vers une bonne formation des formateurs, par exemple. Et si je dois prendre un autre exemple, je prends par exemple, je viens toujours au sport, je prends par exemple le sport. Et puisque le football, c'est le sport le plus populaire, par exemple, on dit dans un pays, il y a de très bons joueurs, mais au niveau de l'équipe nationale, ça ne marche pas. Dans les autres pays, ce sont les bons joueurs qui constituent une bonne équipe nationale et qui remportent les coupes. Mais pourquoi dans un autre, il y a de bons joueurs, mais on ne parvient pas à faire une bonne sélection et que le pays remporte une coupe? Mais vous voyez que c'est juste une question de politique. La politique du sport. Ce n'est pas de chose, ce n'est que ça. Parce que tout simplement, il n'y a pas une bonne politique pour pouvoir encadrer tous ces talents, les regrouper, créer une homogénéité qui puisse leur donner la victoire. Il y a des pays, par exemple, qui ont fait des exploits en matière sportive, ce n'est pas des pays extrêmement riches comme les États-Unis d'Amérique, comme la France. Si vous prenez le Kenya, par exemple, l'Éthiopie, ce n'est pas des pays extrêmement riches, mais ils sont toujours sur les podiums en athlétisme. C'est un travail de fond parce qu'ils ont non seulement développé cette politique, mais ils sont en train de bien entretenir cette politique. Et c'est ça le plus important. Normalement, exactement, normalement, ça devrait être comme ça devrait marcher. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'il y a un hic quelque part. Et c'est quoi? C'est que si vous prenez des gens supposés être doués, talentueux, et pour l'exécution d'une tâche, faudrait-il que ces gens se donnent la main, échangent, et se mettent d'accord sur un programme de travail pour faire un bon résultat. Mais si chacun vient avec son costume de grand en disant il faut que les autres fassent comme moi je veux, parce que c'est moi qui sais, c'est moi qui connais tout, alors là ça ne marche pas. Donc l'échange. Il faut échanger, il faut discuter, il faut échanger, il faut imaginer. Il faut toujours essayer de voir comment améliorer une situation. Parce qu'il y a toujours possibilité d'améliorer une situation. Parce que c'est dans la contradiction que jaillit la lumière. C'est la belle lumière. Donc il faut accepter cette contradiction. Et pas seulement dans la politique politicienne, mais dans toutes les politiques qui régissent le fonctionnement de la société. Et ça, c'est très important. Donc, je dis qu'il ne faut pas qu'un chef d'État pour faire changer les choses dans un pays. Il ne faut pas qu'un gouvernement pour faire changer les choses dans un pays. Il faut, à chaque niveau, des gens talentueux, des gens volontaires, seul le talent ne suffit pas, et des gens courageux, qui ont le courage d'avancer leurs idées, et qui ont le courage de mettre ces idées en pratique. Ça ne doit pas forcément venir des chefs d'État, chefs de gouvernement ou du gouvernement.
le peuple aussi représente une intelligence. Parce que le peuple, c'est les hommes. C'est chef d'État qu'on voit, c'est chef de gouvernement qu'on voit, et c'est membres de gouvernement qu'on voit. Ils sont sortis du peuple. C'est tout. Ils sont sortis du peuple. Donc, c'est le peuple qui représente la pépinière. Donc, c'est la quintessence de cette intelligence qui se trouve au sommet. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas une organisation au sein de ce même peuple? Parce que le peuple pense réellement qu'il ne représente pas une force en Afrique. Le peuple n'a pas une vraie conscience de sa force et de tout ce qui de son pouvoir et de tout ce qu'il peut faire changer. Maintenant, il faut que les gens soient courageux de faire voir ça au peuple. De dire, mais non, ne pensez pas que le chef d'État doit tout faire et peut tout faire. Et que le chef d'État peut vous empêcher de faire ça. Ne pensez pas que le chef de gouvernement ou le gouvernement doit tout faire ou peut vous empêcher de faire ça. Mais non. Autant ils représentent des forces, des ressources, et autant vous constituez une force. Et d'ailleurs, le peuple est plus puissant. Et le peuple est plus intelligent. Parce que ceux qui représentent le peuple sont sortis du peuple. Je disais tantôt, il faut repenser la politique en Afrique. Il faut penser à faire autrement la politique en Afrique. Il faut qu'il y ait une loi, je ne sais pas s'il faut voter une loi à l'Assemblée par exemple, dit interdiction formelle à toute personne de faire la campagne avec de l'argent, du thé et du sucre. Il faut faire la campagne avec des idées. Proposer un programme de travail. Parler des problèmes et proposer des solutions par rapport aux problèmes. Si possible, donner seulement la possibilité aux gens d'écrire leurs slogans sur des t-shirts et les casquettes. Ou leur façon de voir les choses. Ou les propositions qu'ils ont à faire. Mais qu'on mette une interdiction formelle de donner le sucre, le thé, le riz, le mil aux gens. Parce que c'est le début de la corruption. La campagne électorale en Afrique, c'est le début de toute la corruption qui sera poussée à l'extrême droite dans l'exercice de la mission. Et c'est ce qui est déplorable. Par exemple, je suis malien. Pour les élections de 2012, je propose, si j'étais dans un parti politique, j'allais peut-être dire à la télé, je propose que le chef d'État aussi propose à l'Assemblée malienne, en séance extraordinaire, d'interdire complètement notre façon de faire la campagne. Faire la campagne, faire des slogans. Et les programmes de travail sur des banderoles, des casquettes, des t-shirts, point, fini. Mais pas de sucre, pas de thé, pas de mil, pas de riz, pas de corruption. Parce que pour moi, c'est une forme de corruption. Donc il ne faut pas venir corrompre les consciences pour accéder au pouvoir. Parce que c'est le début de la pourriture. Et après, quelqu'un qui vient, qui nous achète, il a acheté notre pouvoir. Mais il est en train de faire du commerce. Mais il faut qu'il gagne des bénéfices. Donc ne soyez pas étonné que ce monsieur puisse dans la caisse de l'État. Mais il faut qu'il réalise un bénéfice. Vous oubliez l'argent qu'il vous a donné, il a sorti ça d'où? S'est-il endetté? Vous oubliez les cartons de sucre et de thé. Vous oubliez les sacs de millet de riz. Mais il faudrait bien que s'il s'est endetté, il faut qu'il rembourse. Mais s'il ne s'est pas endetté, qu'il a pris sur fonds propres, il faut qu'il... Et il se rembourse. Et qu'après, il faut qu'il réalise des bénéfices. Donc, c'est ça. Donc, on arrête de faire de la politique un fonds de commerce. Et qu'on arrête de faire du commerce avec la politique. Si on doit faire du commerce avec la politique, il faut que ce soit un commerce dans le sens des échanges. Dans le sens de faire
de prospecter, de détecter des problèmes et de proposer des solutions. Et ne pas seulement s'arrêter à la proposition des solutions, mais être prêt à l'action pour la résolution effective et totale des différents problèmes de la société. La sagesse a toujours existé dans les villages. Mais vous savez, Bamako, c'est la capitale. Le village le plus proche de Bamako, sur un plan physique, c'est le village aussi le plus loin de Bamako, sur un autre plan, sur un tout autre plan. Pourquoi et comment ? Bamako, c'est la capitale. Et la manière, la façon dont on fait des choses, ça donne l'impression que Bamako, c'est le début et la fin de toutes les choses. Bamako, c'est le début et la fin du monde. Parce que tout se décide à Bamako. Tout se fait à Bamako. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que le sage du village, aussi, quelque part, a baissé le bras par rapport à l'action. Par rapport à l'action. Parce que les villageois ne se sentent pas concernés réellement par le problème du pays. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Et certains hommes politiques aimeraient bien qu'ils soient impliqués. Qu'ils soient impliqués. Mais comme je vous l'ai dit, et au début, on est enthousiaste. Quand on est débutant dans la on est enthousiaste. On pense que tout est rose. Mais une fois arrivé au sommet, on trouve qu'on a perdu toutes ses griffes. On a perdu toutes ses dents. Donc on n'est plus capable de griffer, on n'est plus capable de mordre. On est là comme un vieillard couché dans son fauteuil qui attend tranquillement ses derniers jours. Et c'est ce qui est lamentable. Parce que, avant d'arriver à ce niveau, on va de compromis à compromis. Tant que le monde va continuer, les gens vont continuer à vivre, il y aura toujours du travail parce que il y aura toujours des artistes dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'art pur et dur, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la politique. Il y aura toujours des artistes. Assez-vous, j'ai été mal compris. Quand j'ai dit qu'en Afrique, les politiques ont atteint leur limite, les hommes politiques ont atteint leur limite. Ils n'ont plus de jus, ils n'ont plus de substance pour faire, pour avancer et pour faire évoluer les choses. Et qu'ils doivent prendre du recul parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Ils doivent prendre du recul pour écouter la conscience de leur peuple par les porteurs de messages que sont les artistes. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que je voulais que oui, on donne la direction des pays d'Afrique aux peintres, aux danseurs, ils n'ont rien compris. Quand je parle des artistes, je parle des artistes de la politique, politiciens. C'est-à-dire des gens qui ont une sensibilité, un cœur, des gens qui ont de l'amour, des gens qui ont une intelligence, un bon sens, des gens qui ont une volonté, une conscience, des gens qui sont maîtres de leur volonté, mais esclaves de leur conscience. Des gens qui ne sont pas capables de corrompre leur conscience. Je parle de ces artistes-là, qui
sont capables de sécréter la pensée et qui sont prêts à l'action. Je m'adresse à ces artistes-là, ceux de la politique. Donc, lors du festival sur le Niger, c'est ce discours que j'ai tenu. Et je tiens encore. Parce que j'y crois. Je sais que les choses peuvent changer positivement. Je sais que les choses vont changer, Inch'Allah, positivement. Mais les choses ne pourront pas changer sans qu'on agisse. Mais avant d'agir, il faut réfléchir. Parce qu'il ne faut pas reproduire les schémas. Des schémas, surtout des schémas qui n'ont rien donné. C'est pour ça que je parle de réflexion. Maintenant, comment refaire la politique? Quelle réflexion nous devons avoir par rapport à ça? Pour éviter les anciens schémas qui nous ont amenés qu'à l'échec. Alors, je fais appel à tous les peuples d'Afrique. Que chacun à son niveau sache et comprenne qu'il est important dans le système. Que tu sois forgeron, chauffeur de taxi, serveur dans un restaurant, simple paysan cultivant un petit champ dans un village ou ministre, chacun est important à son niveau. Que le paysan sache qu'il est aussi et autant important que le président de son pays. Et qu'il ait le courage de faire des propositions. Et qu'il soit prêt à agir. Donc c'est cet appel que je lance au peuple d'Afrique. Tiens. Merci. Thank you.